Souvenez-vous de ce film. C'était en 1968. Une Ford Mustang se lançait alors dans une course-poursuite mémorable face à une voiture tout aussi légendaire, la Dodge Charger. Aujourd'hui, le mythe est de retour. Non importée officiellement par Daimler Chrysler France, la Dodge Charger est d'autant plus exclusive, mais grâce à American Car City, le rêve est accessible. De plus, la version proposée est tout simplement la plus puissante de la gamme, la SRT8, autrement dit celle équipée d'un V8,5 de 425 chevaux. Double sortie d'échappement, béquet arrière, calandre très imposante, affublée d'un bouclier spécifique, et prise d'air sur le capot, c'est ce qui la différencie du modèle de base et rend la Charger SRT8 imposante et bestiale américaine. On l'a dit, c'est un V8 qui anime la Charger. Préparé par SRT, la filière sportive de Chrysler et Dodge, ce 6 litres 1 respire l'Amérique avec 570 Nm de couple. Base est le V8 de 5,7 litres, nous l'avions essayé équipant la Chrysler 300 CMI. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, à bien y regarder, la Charger a des airs de famille avec elle. Elles sont en effet cousines éloignées. C'est particulièrement au sein de l'habitacle que l'on s'aperçoit de ce lien de parenté. Même si les sièges sont personnalisés, la console centrale et le volant sont quasi identiques. Cependant, la finition de la Charger est de moins bonne qualité par rapport à la 300C. Les plastiques sont particulièrement grossiers. Ça aussi, c'est typiquement américain. Retrouve ainsi avec un immense volant entre les mains et une boîte automatique en guise de transmission dont les rapports se passent en poussant le levier vers la gauche ou la droite, système complètement obsolète qui heureusement se montre assez efficace et rapide. On commence alors à savourer ce moteur, il caractérise la voiture à lui tout seul et fait oublier tous ses défauts. C'est un plaisir de l'entendre rugir, d'autant que le châssis de la voiture fait preuve d'une certaine agilité, même si une mauvaise harmonie des temps de compression de l'amortissement se fait sentir, la Charger n'en demeure pas moins très saine dans son comportement. La poussée dans ses retranchements s'avère assez ludique malgré son poids, 1,9 tonne. En revanche, la direction demande une certaine adaptation en raison d'une sensation de légèreté. On ne sait pas trop où on met ses roues pour au final s'y habituer. La Dodge Charger SRT8 est un pur cru américain du 21e siècle. Plus typée, performante que vraiment sportive, elle offre un agrément de conduite complètement décalé. On l'a dit, elle tient ça de son cœur, son V8, sans oublier aussi sa gueule d'enfer.